Un grand point dans l'actualité avec l'actualité politique au niveau local, on a parlé de Haïti, au niveau des États-Unis et au niveau international. Nous ne connaissons pas bon ici aux États-Unis, c'est définitivement 2024 là, qui sont année électorale. Et nous avons un niveau de élection primaire, nous avons un niveau caucus. Donc, pour nous analyser la politique et les États-Unis, gagner en pile possibilité pour ta gagner le 5 novembre 2024, donc 5 novembre année ça, dans l'élection présidentielle, pour nous ta gagner yon lot face à face entre ancien président républicain Donald Trump et avec actuel président démocrate Joe Biden. Et gagner, pourquoi gagner vraiment convention, pourquoi gagner face à face électorale qui fait, mais gagner face à face à distance qui fait côté que eh ben chaque candidat ça yo même yo gagne des points de vue des fois qui très différents sous yon question qui gagne rapport avec ou bien les États-Unis ou bien avec politique internationale. Par exemple, gagne question immigration qui toujours été yon pomme de discorde entre parti yo, bien que dans semaine là la Maison Blanche fait connait que gagne pile possibilité que gagne des mesures que Parti républicain qu'on adopté pour le capable résoudre crise qui gagne sous frontière États-Unis partagée avec Mexique là, eh ben yo capable adopter même mesure ça yo, mais n'a suivre pour. Et puis en parlant de frontière États-Unis partagée avec Mexique là, nous t'a même dit que hier gagne yon séance qui t'est faite dans Washington DC et que Jean-Robert Philippe t'est couvri pour nous. Côté que juge là décidé, nous songez que monsieur haïtien que nous t'ai dans Del Rio en bas pont Del Rio, côté que garde frontalier te bal coup de rasso Jean-Robert dit et la gè coup de rasso sous monsieur, et ben question ça a été gagné Haitian Bridge Alliance qui te metté avec l'autre encore, et ben ont présenté yon plainte contre devant tribunal contre administration Joe Biden. Eh bien, gouvernement te mande que pour te lage et plainte ça pour te vague sous li, mais eh bien, ça qui passe hier, c'est que juge la de préférence mande pour que yon mette l'autre haïtien encore dans le dossier, donc en façon pour capable compléter. N'a pas un reportage de Jean-Robert Philippe qui lui-même parlait avec plusieurs mouns, notamment avec Gerline Joseph, qui c'est directrice exécutive Haitian Bridge Alliance. Donc, restez branchés parce que bon reportage complet que Jean-Robert Philippe a présenté pour nous sous question ça qui en question et d'actualité. Mais nous connaissons en Haïti, gros question en Haïti, c'est définitivement ordonnance juge Walter Wessert Voltaire qui lui-même l'étape et instruit enquête sous assassinat et président Jovenel Moïse. Dans un premier temps, c'est un document qui pas de gagné ni saut ni signature qui t'est fait le tour de l'internet, et c'est un document qui imposait à la presse. Malgré et la presse ouais qu'elle pas gagné signature, malgré la presse ouais elle pas gagné, il pas gagné saut sous lui, mais documenté d'une élaboration juridique tankou et maître Emmanuel Gentil t'a dit lui. Mais au point que la presse pas capable de faire silence sous lui. Moi-même, dans niveau salle rédaction, nous, dans VOA Créole, que nous-mêmes, nous pas prendre chance avec information, parce que nous pas remet dit, et sorry, eh ben, nous prend du temps avant que pour nous accepter que c'est un document que, eh ben, nous devons parler de lui. Et la presse internationale, la presse locale, t'es parlé de lui. Et nous-mêmes, finalement, nous t'es cherché réaction, plusieurs côtés, notamment, nous t'es parlé avec, parce que dans le document, selon l'ordonnance, il y a 51 personnes qui t'a dû aller devant la justice criminelle par rapport à l'assassinat du président Jovenel Moïse. Et c'est comme ça nous avons essayé de parler avec l'ancienne première dame, non, Martine Moïse, que nous n'avons pas de joindre. Mais finalement, nous avons joindre avocat en parlant de maître Emmanuel Gentil, qui lui-même n'a pas fait commentaire sur le document proprement dit, mais il était plus à poser question qui j'en fait un document comme ça. L'instruction est secrète selon toute approche académique. Qui j'en fait arriver
dehors au point que il en met tout le monde dans internet. Mais finalement, c'est officiel qu'on y a. Et commissaire gouvernement Elder Guillaume gagne un document en main et qu'on y a grand pile réaction qui tombe. Donc première action que gagne Renal Libéris qui c'est un ancien collaborateur défunt président Jovenel Moïse, monsieur réagit, monsieur dit son document ordonnance à son torchon. L'autre monde qui réagit encore gagne Evel Fanfan lui-même qui c'est avocat ancien directeur et Anapla qui c'est Jean-Tel Joseph lui-même lui dit que pour lui c'est un contrat donc il peut pas vraiment faire réaction sur lui même lui dit que le préfet ça la loi dit pour le faire et puis l'autre réaction encore c'est monsieur Léon Charles nous dit monsieur qu'on y a parce que lui c'est ambassadeur il était ambassadeur et permanent auprès de l'OEA pour Haïti. Mais hier, il voyait une lettre by Jean-Victor Généis, qui est ministre Affaires étrangères pays d'Haïti. Pendant que le ministre Affaires étrangères lui-même dans Rio de Janeiro au Brésil, il dit que il démissionnait pour lui-même pour être capable de défendre tête. Et il commence à défendre tête au niveau de la presse, bien que nous même APC joint avec tout. Et il parlait avec un confrère nous. Wendell Théodore dans Le Point, dans Radio Télémétropole, côté qu'il fait, il dit en pile causé, il fait en pile révélation, et lui même tout, lui bail, et version pâle des faits, et il dit que c'est pas une enquête, c'est méchanceté, et il fait toute saleté capable pour te sauver le président, mais c'est pas comme ça, ordonnance là, ouais. Donc ça veut dire que son document, qui a provoqué un pile réaction en Haïti et aux États-Unis et dans le moment où on a parlé là. Donc, c'est premier démission qui baille après ordonnance ça, c'est monsieur Léon Charles qui était ambassadeur pays d'Haïti auprès de l'OEA et qui était directeur général police nationale là, dans le moment que président Jovenel était assassiné. Donc, dossier ça, donc 51 monde gen moun yo blanchi, gen moun tout que en pile moun pose question que yo te kwè que yo tap wè que yo pa wè, gen moun que yo pa di rien sou li, notamment gen pile observateur moun ka fè analyse qui dit par exemple yon note en cours par exemple premier ministre Ariel Henry il pa ni blanchi, il pa ni inculpé, alors que c'est yon nan moun que yo te cité non et qui te parlé avec Badjo avant et après. M'pa konn si c'est avant, après et pendant. C'est pendant m'gen ka gon ti réserve sou li. Mais gen moun ki di c'est pendant, avant, pendant et après assassinat. Donc nous passons plusieurs reportages côté que premier ministre Ariel Henry toujours dit que lui-même gen pile moun ki relèl et dans salle et dans déposition le fait que dans cadre ordonnance ça dit que gen pile moun ki relèl jou ça. Donc et c'est sûr que Badjo est capable du nombre, mais lui-même, il n'a pas aucune idée de saleté de parler avec Badjo. Donc, en pile réaction, continue à tomber sous question ça. Et puis, l'autre point dans l'actualité en Haïti, il y a une famille Lavalas qui rencontre la presse Jodia et qui a un point de vue sur la situation. Lui-même, il demande démission Premier ministre Ariel Henry et il demande tout pour un gouvernement bicéphale. Deux têtes avait dit un président avec un premier ministre. Donc, situation concernant le pays d'Haïti, c'est sûr que semaine n'a pas commencé, Jean te fini, hein, avec l'autre réaction que nous avons cherché pour vous par rapport à l'ordonnance juge Walter Wessel-Voltaire. Faut dire que VOA créé lui-même li ouvert. Si il y a un monde que non impliqué là-dedans et qui voulait réagir, et micro nous ouvert pour nous capables de jouer toute réaction et qui sous question et notamment gagné démission Léon Charles n'a pas essayé joindre ancien ambassadeur Léon Charles sous dossier ça parce que il était directeur général police nationale dans un moment président t'est mouri. Et puis dans l'autre point dans actualité a gros t'es gagné en gros réunion qui t'est faite mercredi et jeudi dans Rio de Janeiro, c'est une réunion qui t'est rassemblé 20 pigs, ministre affaires étrangères, 20 pigs grands pays, 20 pigs grands économies mondiales,
Et c'était un moment tout côté que tu as gagné plusieurs réunions bilatérales, multilatérales, et tu as gagné une réunion qui était faite sous Haïti. C'est le Brésil avec Haïti qui était organisé, et dans l'occasion ça, États-Unis dit que lui-même la baille 200 millions de dollars, et gagné tout Canada qui dit que la baille 80 500 000 dollars canadiens, c'est pas dollars américains, lui-même c'est dollars canadiens, et il y a plusieurs autres pays tout qui dit que il y a poté collé le Bénin, Jamaïque, la France, ils ont tout eux-mêmes ils dit il y a poté collé dans cadre mission multinationale pour soutien sécurité dans pays d'Haïti. Et monsieur Blinken rappelait que Haïti c'est un pays qui prend lui, il dit qu'un pays qui prend nous et qui prend cœur américain avec brésilien, et la situation a détérioré, et donc il te prend la parole. Et gen l'autre rencontre qui fait tout gen notamment gen monsieur Blinken qui rencontrait avec président pays argentinien Javier Milei. Yo parlé de Haïti, yo parlé très naturellement de Gaza. Et faut dire que pendant la réunion G20 en tout, yo parlé tout de Gaza, yo parlé de deux grands conflits qui a fait qu'on y a là, invasion pays la Russie dans Ukraine, et yo parlé tout de guerre israélo Hamas là qui a fait qui continue là, et puis guerre États-Unis tout qui prend sanction jodia, il prend sanction jodia contre la Russie pour plusieurs raisons, notamment contre guerre qui c'est pratiquement un anniversaire contre guerre et contre invasion dans la Russie, mais tout contre la mort Alexei Navalny qui était opposant numéro 1 président russe Vladimir Poutine. Et grand pile tractation qu'a fait tout gain notamment maman défunt Navalny, en parlant de Ludmila Navalnya qui lui-même lui dit que finalement lui photo petite, il dit que grand pile pression qu'a fait sorti dans Kremlin pour pas ta gain pour ta faire un enterrement pour Navalny en secret. Et puis gagner Ludmila Navalnya, non, c'est Ulia Navalnya qui lui-même c'est madame défunt qui c'est veuve Navalny qui lui-même il dit la continue travail que Marie le fait pendant que l'accusé Vladimir Poutine lui dit Vladimir Poutine tuer Marie. Donc c'est l'autre point que nous capable signaler pour nous finir. Eh bien gagner Dani Alves, nous connaît gros défenseur, bon footballeur qui t'est joué notamment, c'est un Brésilien qui t'est joué dans plusieurs équipes, noté Paris Saint-Germain, et les mêmes qu'on y a les gars pour le payer, il pour payer 4 millions, il pour le passer 4 ans et demi dans prison, 4 ans et demi dans prison, et le gars pour le payer ou amende, peut-être il t'est fait agression sexuelle sur une fille. Puis réaction, il y a une réaction qui dit que ça fait on fait toute bruit ça avec Dani Alves, et mais c'est parce que il relait Dani Alves, parce que son superstar lié qui fait toute bruit ça avec elle, ça c'est en position. Bon, l'autre position qui dit que et mais pas parce qu'on relait Dani Alves là pour pas gagner pour payer pour s'en faire personne pas sous tête la justice. Moi crois en gros c'est ça m'te gagner pour nous et avec nous, et Jean-Robert Philippe lui-même il va venir tout à l'heure dans un petit moment pour vin ouais l'autre point cap tout point ça yo cap dominer actualité. Nous disons merci d'être que avec nous pendant semaine là, n'a bouclé semaine là, mais pas oublier que nous même nous pas bouclé information. Ou cal toujours aller sur page nous yo et pour capable gain dernière information qui gain rapport avec Haïti, qui gain rapport avec le monde, et équipe là bien content de ce que merci Kademariela, merci tout l'autre monde cap dit bon week-end à nous même tout. Nous sommes ça Jean-Robert dit nous, si n'a conduit pas boire, si n'a boire pas conduit, et si nous pas ta boire du tout, elle est bon pour la santé. Mes amis, c'est un plaisir comme d'habitude pour nous d'avant. Moi c'est Jacques Belizère. Donc m'a rejoindre nous lundi, et lundi matin m'a gagnon l'autre live, et m'a gétan dit nous pour qui ça que c'est lundi matin m'a fait live là. Merci pour attention. Moi connais depuis nous me dit on bagaille, gè moun k'ap poser une question sur interview Wyclef. Jean a son interview Tête chargée. Comme si nous voulons. Et bien, interview tête chargée que Valério Saint-Louis réalisé avec Monsieur Wyclef Jean. Monsieur dit en pile causé sous carrière.
sous position, sous un pile d'autres bagages. Et il parlait tout de ça qui a un rapport avec Haïti. Et ma banonti bagage, monsieur fait musique live. Ça veut dire, monsieur improvise en musique politique, mes amis. Restez branchés sur programmation nous parce que très bientôt, nous sommes capables d'entendre l'interview ça. Moi, c'est Jacques Lebelizer. Merci pour attention nous. Merci pour fidélité nous. Passez un bon week-end et pas oublier à 4 tapants pour nous rejoindre Jean-Robert Philippe. Moi, c'est Jacques Lebelizer.